change d'être. Moi même pas. Non, c'est comme ça. Tu conduis pour toi, tu conduis pour les autres, c'est comme ça. Alors, comment vous allez? Vous allez bien, vous allez bien, vous allez bien. On continue toujours à tout. Vous allez bien, vous allez bien, vous allez bien. Maman, je suis occupée. Oh Seigneur. Une journée de 24 heures n'est pas assez pour la mère, si je vous jure. Yesh. Je suis occupée, le feu sort. Maman avait dit quelque chose qui va vous énerver. Mais elle avait quand même dit. Maman avait dit quelque chose qui va vous énerver. Ça va énerver beaucoup d'entre vous. Ça va aussi vous plaire. Vous voyez, non. Je suis comme ça en train d'aller voir la première dame. Je suis dans les courses graves. Mais quand la première dame atterrit dans ma vie, c'est à la troisième fois. Madame Jaguar a monté atterri dans ma vie, la voit pas. Devait aller faire un câlin vite fait. Je suis dans les courses, le genre, ça dit que taper l'œil sur elle et rentrer. Genre, c'est vraiment genre un genre. Parce que vraiment, sans vous mentir, c'est pas évident, mais c'est comme ça. Je vais seulement aller taper l'œil. Vous voyez, non. Je vais parler, ça va pas vous plaire, Captain Choumichide, mais je vais parler. Moi, je vais m'adresser à Mboumkena. Vous comprenez, non? Moi, je ne suis pas d'accord. Quand Mboumkena ouvre ses yeux, c'est vrai qu'elle m'insulte tous les jours, j'en ai rien à foutre. Ces injures ne changent pas grand-chose dans ma vie, vous le savez. Mais il faut que Mboumkena ouvre ses yeux et voit l'ingratitude de Magina Kinkam. Je m'explique. Si la mère de Mboumkena téléphone au blogueur pour demander l'argent, où est le problème? Dans le sens, dans la mesure où Magina Kinkam bénéficie de l'aide de tous les cancan personnes de Facebook pour aider sa mère. Quand maintenant la mère de Mboumkena demande l'argent, que ce soit à Dorcas, que ce soit à Ngoï, que ce soit même à moi, même si elle va demander à Lolo, même si elle me demande, où est le problème? Chacun cherche, tente sa chance, même à Ngospute qui refuse. Parce que Ngospute est méchante. Elle refuse de pousser haut la requête de la maman. Je ne suis pas d'accord. Chacun tente sa chance. Ok? Ben, vous venez dire que la maman de Mboumkena, Ngoï vient dire que la maman de Mboumkena demande l'argent, que Mboumkena va s'occuper de sa mère. Ngoï s'occupe de Anangrengakan. Mais ça, Ngoï demande l'argent tout le temps ici pour aider sa mère. Anangrenga, c'est la mère de Ngoï, elle est malade, elle est en France, elle est à l'hôpital, on s'occupe bien d'elle. Elle a tous les aides possibles. Elle dit que si elle veut même un chi, elle pisse, elle vomit, on va tout laver sur elle. Elle va être propre. Même la nounou qui la garde n'est pas grand-chose parce que même l'infirmière vient à la maison pour soigner ses plaies des lits et pour soigner sa blessure du diabète. Donc Anangrenga bénéficie d'une aide incommensurable. Mais Ngoï trouve quand même moyen de demander l'argent. Et pourquoi vous pensez que la mère Ngassam Mambombo, Olo Ngassam, la maman de Mboumkena, ne doit pas demander l'argent aux blogueurs? Quand même, c'est que quand les blogueurs envoient la bouche, l'argent arrive. On doit lancer le litchi de la mère de Mboumkena. Les injures que Mboumkena me fait, moi, je vous dis que ça ne me fait rien. D'abord, je coupe, je vous mets ça là-bas. C'est pour vous dire que rien ne me fait dans tout ce qu'ils font. Ma vie est. Ça dit que, oh, tirer sur des volets, je remercie Dieu. Je dis que Seigneur, pardon, ne fais pas que la maladie entre. C'est tout. Vous avez compris, non? Donc, dites à Mboumkena. Elle est bête comme les massages qu'elle faisait au Blanc et moi, hein, qui était rentré en Belgique, moi, qu'elle faisait les massages extra. Là. Les massages à un bonus. Elle est bête comme les massages bêtes qu'elle faisait là. Voilà. Oui. Ngoï refuse que ta mère ait l'argent. Pourquoi? Ta mère a le droit de crier qu'au secours, salam, salam. Si tu lui envoies seulement 70 euros, c'est petit. Et tu dis bien que tu n'en as pas. Au lieu de te concentrer pour faire une formation, Mboumkena, pour pouvoir travailler et t'occuper de ta mère, comme moi, ta vieille mère, si je suis retournée à l'université pour encore ajouter mon salaire. Tu ne peux pas te concentrer sur ça. Tu es sur Facebook. Non, t'as eu babalé, long lolo, et borosangi, comment elle appelle là, malofombo, gna gna gna. Tu insultes tes mamans. Oh, que tu peux même retourner à l'école pour travailler.
Un boum kena. Voilà maintenant que ta mère demande l'argent, ce qui est normal. Moi, je n'ai aucun problème à la demande d'argent de ta mère. On doit lancer. Dites à la mère de boum kena de me contacter. On doit lancer son litchi. Pourquoi Anna Grenga bénéficie de l'argent, de l'aide des gens quand elle est en France et elle a tous les aides médicales. C'est-à-dire que si elle veut même manger les conserves d'asperges, Ngoï va lui donner les conserves d'asperges à la maison. Mais une fois qu'elle arrive à l'hôpital, la nourriture saine, santé, bio, pas trop de sel, pas trop de sucre, pas trop de rien. Elle a tout déjeuné, dîner, souper. Même comme l'autre jour en direct, elle s'est étouffée. Ngoï n'était pas capable de la réanimer dans l'étouffement. Et vous venez nous dire que la maman de Boum Kena a demandé de l'argent. C'est quel argent que vous empêchez la maman de Boum Kena de demander sur Facebook? Qu'est-ce que Facebook, c'est là où tout le monde pleure, on règle son problème. Olo, Bette Youmouni, maman de Boum Kena, 600 direct, Bette Youmouni, Boum Kena ne peut pas t'envoyer 400 000 comme elle envoie à ses nièces. C'est normal que tu te fâches, que tu ne peux pas avoir tous les problèmes de la terre. Elle prend 400 000 et elle envoie aux nièces. Tu as le droit de te fâcher. Et les reçus qu'elle nous a montrés, qu'elle nous montre le montant qu'elle envoie, comment elle peut t'envoyer 50 euros par mois? 50 euros, 70 euros, c'est l'argent. Est-ce qu'elle a mis le forage, c'est sa grand-mère? C'est elle qui a retapé ta maison avec Penda et Yong Yong. Maman, je sais que tu souffres. Tu comprends? Crie toujours haut sur Facebook. Va même voir Longuel et aide les gens. Ok? Pleure. Parce qu'on doit t'aider. Ta fille est sur Facebook, elle insulte les gens. Elle porte le ndou sur les problèmes des gens qui ont le même, c'est-à-dire que les gens qui la dépassent un milliard de fois, qu'elle ne sera même jamais même chose avec ces gens-là. Elle porte le ndou sur eux et elle vient parler que quoi? Elle vient parler que quoi? Hein? Maintenant, Ngoï dit que c'est la route qui fait ou quoi? Oui, c'est la route. Hein? Ngoï dit que on ne doit pas demander l'argent pour toi. Parce que il faut que Boum Kena s'occupe de toi. Ngoï, tu t'occupes d'un Angrenga. Quand tout le piment, tu fais le piment 40 euros avec les Arabes. Tu fais le chien. Le chien, peut-être, c'est 200 euros. Mon fini avec toi, parce que le chien te mord ton couetou. Maintenant, tu finis de faire le piment avec le chien. Tu fais la quête salam salam dans tous les pays du monde. Tu prends les 1 dollar aux États-Unis. Tu reviens, même pour Anna Grenga, tu coupes le loyer sur ça. Tout. Tu as tout partout. Et tu viens t'asseoir sur Facebook. Tu ouvres tes narines et tes attaques manioc pour dire qu'on ne doit pas aider la maman de Boum Kena. Comme Boum Kena va s'occuper de sa mère, que toi tu t'occupes de ta part comme qui est en France. La mère de Boum Kena souffre en Afrique. On peut lui donner un fonds de commerce. Elle peut aller voir Longuel. Elle peut crier au blogueur et puis on lance un litchi. Je soutiens Olo, la maman de Boum Kena, 1 million. Bête Yumi, ma maman, quasi comme un Kumungwa, Moussi Banou. Hein? Comme un Kumungwa, Moussi Banou. Je suis en train d'arriver, c'est qui me parle, mémé? Je suis en train d'arriver, on continue tout droit, mon fils. On va sortir sur quoi, le gardien, Bouboclo. J'ai dit que, comme un Kumungwa, Moussi Banou. J'ai dit que la maman de Boum Kena doit demander l'argent. Ngoï, arrête de dire que Boum Kena doit s'occuper de sa mère. Parce que toi-même, tu ne t'occupes pas d'Anna Grenga financièrement. Tu demandes salam, salam partout. Ok, Anna Grenga a tout l'aide possible. Quand elle entre à l'hôpital, l'ambulance la prend, tchao. On la met à l'hôpital, tchao. On la ressort de l'hôpital, tchao. Elle mange tout ce qu'elle mange là-bas. C'est à l'hôpital qu'elle mange bio. Mais chez toi, c'est les conserves de spaghetti, conserves de macaronis, conserves de chou-fleur, conserves de yaourt. Conserve de beurre, conserve de fromage, tout est sur un plateau. Elle ne voit même pas pour prendre les semences là comme ça, on pose le plateau. Elle est assise là. Non. C'est à l'hôpital même qu'elle mange un peu bio. Donc toi, tu pries seulement qu'elle doit dormir à l'hôpital. Et tu te dis que ouais, elle meurt quand pour que tu fais le litchi pour rassembler l'argent. Et maintenant, Boum Kena qui a sa mère qui connaît parler. Maman, tiens, il faut faire même mon téléphone. Voici mon numéro, hein, maman Boum Kena. Plus 1 614 915. 0160. Moi, comparé à Ngoï, je ne vais pas mettre tes audios dehors que tu as demandé l'argent. Je peux comprendre la misère existentielle qu'une maman peut être là. Quelle est cette manière, Ngoï, que la mère de Boum Kena te demande l'argent, tu pars lancer le direct et tu appelles Boum Kena bête comme elle est, au lieu de te réprimander d'avoir mis les fesses de sa mère dehors. Elle dit oui, ma mère là, hein, jusqu'à se lever et clash sa mère. Vous êtes sérieux? Maman, il y a un numéro, 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 il y a un. Le premier éloge à Baranta après les autres. Dans ce moment, où tu seras maman Sondjou, on a 100 mois au lot, plus 1, 514-915-0160. Ok, plus 1, 514-915-0160. Un numéro WhatsApp. Où chant, où tchak le soubou pour tout formuler, où c'est quoi? Pourquoi la mère de l'autre ne doit pas bénéficier quand toi tu es entamé en France et tu quêtes partout, salam salam, dans travers le monde entier? Parasite de ton espèce, tu es sérieuse? Et puis Boum Kena, comme toi tu es là que ton cerveau, tu penses tout au blanc là que tu avais massé. Tu avais massé à Nestra. Il est parti finir là-bas en Belgique. S'il t'aimait trop, pourquoi il n'a pas
voyageais avec toi. Il m'aimait beaucoup. Je le massais. Je faisais des extras. Si elle dit extra, vous savez, non. Je faisais petit waka de mes panga yon yon. Tu aimes parler à ta mère. Hein? Nous, je dis que la mère de Boum, que l'on doit cotiser pour elle. Je dis ça, hoha. Oui, je dis ça. Oui, je dis ça, hoha. La mère de Boum, qui est en Amérique, qu'on l'aide aussi. Pourquoi la mère de Ngoï, qui est en France, qui a tous les aides, quand elle tombe, l'ambulance vient la chercher une job. Voilà. Et vous vous rappelez ici, que vous avez raconté l'histoire de Ngoï qui fait le trafic des documents, comment je peux appeler ça, je ne sais pas comment il peut faire pour que ça soit placé. J'ai essayé de ressentir, je n'arrive pas, c'est loin là-bas et je ne vois pas ça ici. Comment ça ne fait pas comme la route? Je ne sais pas. Hein. Avant, c'est bon, on va sortir à la solution. Je veux faire que ça soit droit qu'on voit, comme quand on voit. C'est ressentir, j'ai ressenti même trois fois, ça part que là-bas. Et quand tu ressens, ça marche souvent. Hein. C'est la première fois que nous sommes en train de jouer, c'est ça là. Ah, mais ça dit combien de minutes? 34. Donc on continue. Mais c'est pas celui-ci. C'est un supplice que j'ai vu. C'est assez un supplice qu'on a sorti. Ferme un peu l'application, tu relances. Oh, police signalée. La première dame, je vous rappelle, je vous avais dit ici que quoi, que Ngoï était parti en Allemagne, puis son chaos le donna un fil, l'audio de ça m'a trouvé. Vous avez dit que je mens, j'ai encore l'audio dans mon téléphone. Vous avez dit que elle-même a avoué comment elle a fait le trafic de chaos en Allemagne. Vous avez suivi ça, non? Après, elle a encore dit que je vous raconte l'histoire, je vais changer l'histoire. Ok, elle part où elle arrive, elle tombe son chaos, elle prend la carte d'identité, elle pleure que son chaos est perdu, elle tient les dos aux gens. Elle manque, elle voulait faire venir la fille pour s'occuper d'Anna Nganga. Ok, elle dit qu'elle a une ivoirienne qui s'occupe très bien d'Anna Nganga depuis des années. Ouais, comment elle manipule l'opinion des gens. Moi, elle ne fonctionne pas, elle, le mensonge. C'est une escrotte. J'aimerais comme ça voir la première dame, Madame Amout. Oui, je vais voir la première dame. Oui, mais la fille fait bisous avec les enfants, vite fait. Et je vais être en direct dans quelques temps pour ça. Comme mon GPS me dérange là où je pars là, je sens qu'elle va vous laisser, elle va d'abord faire ça, après je reviens. Ne quittez pas, hein. Mais voilà, première dame, elle atterrit au Canada. Oui, c'est comme ça. Je suis au fou au moulin, mais toi quand même, voilà, la première dame. Oui, le président, il est pas fait. Son épouse, elle est pas faite. Le président, il est pas fait. Son épouse, elle est pas faite. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Non, c'est ça. Je reviens, hein? Je reviens. Donc, oui, a pris les documents et fait les faux documents.